Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Skyrim. Nous étions arrêtés ici avec tous ces fameux pièges. Donc on était à deux doigts de découvrir le code pour rentrer. Donc la première c'est celui-là, la deuxième c'est celui-là. Si ça veut bien. Voilà. Ensuite nous avons celui-là. Et là, c'est là que on va faire ça. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est celui-là ou un des autres là-bas? C'était pas celui-là, donc c'est le dernier là-bas. Ok. Attention aux pièges qui vont nous arriver maintenant. Voilà, on bouge pas. Ok, donc théoriquement... on est à celui-là. Ensuite, c'est celui-là. Allez. Ensuite, c'est celui-là. Pourtant, je suis dessus, hein. Si je touche au milieu, ça touche ou pas? Voilà. Donc maintenant ça peut être que celui-là. Quoi? C'est impossible. Ah quoi que attends. Ça faisait pas ça tout à l'heure. Ah quoi que. Bon bah c'est pas possible. Le premier c'est celui-là. Deuxième c'est celui-là. Troisième c'est celui-là. Quatrième c'est celui-là. J'ai un doute. Je crois que c'est celui-là, non? Je sais plus. Non, c'est le dernier, je crois. Et là, il me... Quoi? Bon, bah, c'est pas ça. Donc, c'est 1. Donc, c'est 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Donc alors 1 2 là je suis dessus hein. Faut que j'attende à chaque fois c'est ça. 2 3 4. Ah et merde. Donc 1, 2, 3. Bah ça va être le dernier là-bas alors du coup. C'est juste ultra long de faire ça. Cette énigme est ultra longue. Donc, une. Deux. Trois. Mais c'est pas possible.
C'est impossible. Je les ai tous faits. Je les ai tous faits dans... Attendez. Alors. Hein. Allez. Deux. Trois. C'est bon? Je pense que c'est bon, hein. Donc c'était 1, 2 et 3. Il se passe quoi si j'appuie sur les autres maintenant? Apparemment ça fait rien. Hein. Ok. Bon ben on a débloqué. Donc c'était celui du milieu, 2 et 3. Ah bah ok. Ça a ouvert quelque chose? Ah, ça a ouvert la porte en tout cas. Eh ben on a galéré les amis! Oui, j'ai essayé, hein. J'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois, donc j'ai mis la dernière compétence qui me restait. Le dernier ordre logique qui restait, je l'ai mis. Alors, je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de me la retaper. Non! Non! Ah, ouf, 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 ouf! Ouf, j'ai cru que j'allais planter. Je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais pas planter là-dessus quand même. Alors non, j'ai pas envie de sortir parce que du coup j'ai envie de voir si ça apporte d'autres choses. Ah mais si, c'est bon, c'est l'endroit où je suis passé tout à l'heure. Ok, alors allons voir ça. Ok. Non. Ok, chargé. je crois que c'est celle-là. Quick save, voilà. Ça prend moins de temps de charger en fait la partie que de me retaper tout le chemin. Alors on la refait mais en moins con. Je vous jure que je l'ai pas fait exprès. Je vous jure que je Il merde. Je vais ranger l'arc parce que je me déplace moins vite avec l'arc. Voilà, et ça va me permettre de mieux calculer aussi. Voilà, c'est bizarre, hein, mais déjà. Zut. Bah du coup maintenant comment je fais pour retourner là? Je peux le refaire dans l'autre sens ou pas? Ah oui. Ok, donc du coup. Tac. Et maintenant. Parfait.
On est bon là. On est même bon là. Grand hall de folle, c'est du parc. Toujours des noms chelous. J'arrive jamais à les dire de toute façon. Alors pourquoi je me ferais chier à les dire? Ouais. Par contre, j'ai un truc qui me plaît pas du tout. C'est cette chose-là, là. Il y en a même deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper un et puis l'autre. Parfait. Je crois que j'en ai vu une là-bas, ouais. La question c'est, est-ce que si je fais ça... Dans le but, je préfère me laisser faire de loin. Là, et l'autre ne s'est pas encore débloqué, mais je sens que si je fais l'erreur, vous savez, il y a des boutons là, je sens que si je fais l'erreur, ils vont se déclencher, donc j'ai envie de dire. Activationneur. Voilà. Sauvegarde. Alors. Ah. Ok, alors je sais ce qu'il me reste à faire. Voilà. Ensuite. Voilà. Tant que je suis là, ça c'est trop lourd. Donc maintenant qu'on a deux noyaux d'énergie des centurions, on va pouvoir aller les foutre sur les trucs. T'es pas beau ça. C'est pas trop cool ça. Stalactite, je l'ai déjà. Non, ça je l'ai déjà. Ça je l'ai pas. Assez de demeure. Gemme de résonance. Qu'est-ce que c'est que ça? Gemme de résonance. Ça, à mon avis, ça sera pour une quête plus tard. La hache d'ébonite, on s'en fout un peu. Y'a rien d'autre? Ça me semble déjà pas mal, hein. Eh ben voilà, on l'accomplit. Eh ben super. Super, super. Et là, du coup, on va arriver sur celui qu'on avait trouvé dans les vidéos précédentes. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Ça me plaît. Ça me plaît cette histoire. Ça me plaît, ça me plaît. Et là du coup... ici.
Et c'était celui qu'on avait trouvé. Effectivement, c'est ça. C'est ça, c'est celui qu'on avait trouvé ici. Eh ben parfait, on est juste à côté du truc de miracle, mais j'ai pas encore envie d'aller le faire. Ah, je suis chiant, hein. Par contre, le truc, ça me paraît immense, quoi. Le truc de miracle, maintenant, il me paraît immense. Donc on est rentré là. L'île, elle fait pas plus grande, qu'elle est pas plus grande que ça. Ah, bah c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Maison, ça c'est fait. Le tertre de com... Ah oui, bah tiens, on va essayer de retourner là. Je ferai miracle plus tard, on a le temps. Vous inquiétez pas, on a le temps. Il y a encore plein de choses à faire. J'ai envie de voir si le tertre a avancé. Parce qu'il va falloir lui filer du fric à chaque fois en fait. Ah, c'est ça qui est embêtant. What? Tu m'expliques ça? Adressez-vous plutôt à Rally. Tu m'expliques ce qu'il fout là, lui? Alors par contre, on voit rien du tout. Merci. Alors mon ami, ah bah dis donc, ça a avancé. Ça a avancé, dis-moi. On a une équipe au travail. Ils ne sont pas très malins, mais ils sont laborieux. Repassez plus tard pour suivre nos progrès. Ouais. Adressez-vous plutôt à Rallis. Adressez-vous plutôt à Rallis. Bon bah écoutez, au moins il est avancé, hein. Parce que je vais suivre de près mon investissement, moi, il faut pas déconner. Hein. Oh, sans blague. Il nous reste combien de temps? Pierre de la terre, pierre de là. Ça, on a été voir le bateau. Je serais curieux de voir ce qui se passe là. C'est ce que j'ai déjà été voir. On a déjà été voir ça. Puisque ça, c'était l'endroit où on avait trouvé le... Si. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Faudrait que j'aille voir aussi là, tiens. On va aller voir là ce qui se passe. Je fais le sud de l'île. Je fais bien le sud de l'île. Ça, faudrait qu'on aille voir aussi après. Tout ça. Mais bon, on a le temps. Et si je veux que ce soit bien fait, il faut au moins faire les choses bien. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? La question c'est, est-ce que je peux passer là ou il faut que je... Non, faut que je passe dans la ville et avec le cheval ça va être compliqué. Le seul moyen, je crois que c'est de... Oh là là, mais même ça il veut pas, ça c'est chiant de pouvoir pas pouvoir passer dans la ville comme ça. Écartez-vous. Si. Donc je disais, il y a un truc là-bas, là, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si on peut l'atteindre. Ça me ferait rire qu'on puisse les atteindre, ça. Il y a des trucs là-bas, hein. Regardez. Je pense pas qu'il y ait grand-chose ici. Non, il y a rien du tout. Mais par contre, je pense pas qu'on puisse atteindre ça. On va quand même y aller. Dans le doute. J'ai pas l'impression d'avoir de poissons qui me tuent ou quoi que ce soit. Ah, il y a des arbres quand même. S'ils ont modélisé cette petite île, il y a peut-être moyen qu'on trouve quelque chose. Je sais pas ce que ça pourrait être, mais... Ça se trouve, ils vont me dire juste devant... Oh, ça serait rageant, ça. Juste devant, ils me diraient... Voilà. Ça, je le sentais venir, mais gros comme une maison.
Quand tu regardes, l'île est pas du tout grande, hein. L'île, elle est pas folichonne. Mais bon, moi c'est la DLC à l'époque qui m'avait plu assez. Et je l'avais fait d'une traite, hein. J'étais resté vraiment sur l'île. Bon, il y a quelques quêtes qui nous ramènent bien sûr en bord de ciel. Mais j'étais resté sur l'île, en me disant, tiens, ce serait sympa de voir. Donc on sait qu'on peut pas atteindre les autres îles. Bon, bah, c'est con, mais c'est comme ça. Il y a un tertre là-bas, mais le tertre, je vais essayer de le garder. Comme là, il y a plein de petites choses que j'aimerais bien aller visiter, mais... On verra ça plus tard, on a le temps, faut pas être pressé. J'aimerais bien me rendre peut-être ici. Et pour ça, il va falloir que je me déplace dans la ville. Et qu'après, je sorte Arvak. Je me suis posé une question, la seule sortie de la ville c'est là? Ou je peux sortir là? C'est une mine ça? Ah, il y a une mine, cool, ça on va aller la voir. Ça j'avais pas encore vu. Ah. Bon sang, vieille pie, je t'ai dit de me laisser tranquille. Pardonnez, Crécius, il a... Quelle bonne idée. Merci beaucoup. Ce pauvre fou croit qu'il a toujours la vigueur de sa jeunesse. Il va finir... Il est convaincu que la fermeture de la mine est... Nous avons trouvé de vieilles lettres. L'arrière-grand-père de Crécius travaillait... Cette histoire n'a vraiment rien de particulier. Je ne vois pas ce qui l'intrigue autant. Gracian, c'est... C'était un explorateur pour le compte de la... Ce pauvre homme. Il a eu un horrible accident. Son corps n'a jamais pu être récupéré. Crécius est convaincu que ce n'est qu'un prétexte inventé par... Mon mari a presque 80 ans. Je l'aime de tout mon cœur. Mais cette fois, je refuse d'encourager ses idées stupides. J'ai trop peur qu'il lui arrive la même chose que Gracian. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Faites attention à vous. Mm-hmm. Pourquoi devrais-je vous le dire? Je ne sais même pas qui vous êtes. Peut-être. Mais croyez-moi... Ces mines renferment un secret qui pourrait rendre à Corbeur... Un secret que la compagnie... Il a causé la mort de mon arrière-grand-père et laissé Corberoc avec une mine inexploitable et souillée. Parfait. Ah, je vois, personne ne veut écouter les radotages d'un vieux fou. Exactement, j'ai juste besoin d'y aller. J'ai pas besoin de ça, bon, j'y vais, c'est tout, je suis un fou, je suis un gueudin. Il y a un ennemi là? D'accord. Comment est-ce qu'on fait? On y va comme ça. J'entends, mais je ne vois rien. Que dalle. Ah, c'est là que t'es. Voilà. Alors. Ça c'est bon. Bon allez, pas que ça va faire. Ah.
Il me faut une clé, mais... Bon, je peux pas aller passer par là pour le moment. Alors, attends, est-ce que je vois pas grand-chose? Voilà, comme ça. Si on peut pas passer par là, on va descendre, c'est pas grave. Ah mais attendez. Mais c'est que je peux pas passer par là en fait, il me faut la clé. D'accord. J'en ai pas besoin, mais par contre la clé serait pas là. Ils me disent qu'il y a... Bah putain, mais je lui ai parlé. Oh, ça sert à Jean. File-moi la clé. Un secret que la compagnie de l'Empire Oriental a enfoui il y a 2 siècles. Oui, d'accord. Allez. Il a causé la mort de mon arrière-grand-père et laissé Corberoc avec une mine inexploitable et souillée. Ok. Gratian Cerelius. D'après la compagnie de l'Empire Oriental, en rangeant parmi ses affaires, il y avait... Elle parlait de quelque chose que les mineurs avaient... La compagnie de l'Empire Oriental devait... Oui, enfin, je suppose. Je n'ai pas encore trouvé l'entrée. Non, croyez-moi, il y a... Écoutez, le temps joue contre moi. Il m'a rattrapé à... En effet, je... Gratian, voilà tout ce que j'ai. Ah, la lettre, voilà. Et la clé. Parfait. Faites ça pour moi. Je vous en prie. Que je puisse enfin regagner le respect que j'ai perdu. Enfin. Prenez garde dans la mine, elle peut être dangereuse. Ouais, t'inquiète. Je gère. T'inquiète pas pour ça, mon petit poulet. Quand même. Ça faisait longtemps. Saloperie. Allez, ça c'est... Oh, c'est juste chiant, ça. Quand... Où est-ce qu'ils sont? Là. Il est où le piège? Ah, je m'étais dit que si je pouvais. Voilà. Ah ok, allons voir ça.
celui-là est mort. Ça c'est bon. Allez! Pourquoi je peux plus crier? Cri de glace. Yes! Fais-nous! Voilà! Il a mis du temps avant de crier, hein? Allez. Voilà. Si je me rappelle bien, là, je vais être obligé de gratter avec... Ah oui, voilà, c'est ça, évidemment. Parfait. J'aime quand ça se passe comme ça. Tertre de... Ouais, d'accord. Mais par contre, du coup... je vais regarder ça. C'est pas des portes, évidemment. Ah, crotte. Ce qui m'intrigue, c'est cette porte là juste derrière le truc.
Ouais, ça aurait été un piège, quoi. Oh, c'est pas beau ça. Ok, donc du coup il y a certainement un truc à faire là. Là il y a une grosse porte. J'avais pas vu ça de l'autre côté par contre. Non, il faut pas, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin d'aller là. Comment est-ce qu'on va de l'autre côté là? Ici? C'est ça. Là, je pense que c'est la solution de c'est d'aller tout droit devant, mais ça fait combien de temps que j'ai commencé les amis, on va s'arrêter ici. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, merci d'avoir suivi cette aventure. N'hésitez pas à regarder, liker, partager ces vidéos. Je vous dis à la prochaine, merci à tous et salut salut.